I'm 40 years old, and I feel like dating is 8 zillion times worse than like high school or like my 20s. And let me tell you something, dating in my 20s was a disaster. It was horrible. Men were awful. Boys were awful. And this is so much worse. It is so much worse. What happened to you guys between, you know, 18 and 40? Like, I mean, I don't understand. Don't you love, guys, how it's like, it's always the men's fault. What happens? Why did men change? Men really haven't changed, guys. It's, to be honest with you, it's a lot of the modern women who have changed. Okay, if you would like to have a traditional man, the best way to get a traditional man is by being a traditional woman. Unfortunately for a lot of girls, guys, when they go out there and they try and get married after, you know, they're covered in tattoos, they're 40 years of age and they're single, they find out that the traditional men are not interested. Qu'est-ce qui s'est passé pour les gars entre 18 ans et 40 ans? Bah, ils se sont mariés, chérie. On va prendre une analogie pour expliquer exactement ce qui se passe sur le marché du dating, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes et même hommes qui n'ont pas compris ce concept-là. La femme contrôle l'accès au sexe et l'homme contrôle l'accès aux relations. C'est pour ça, vous les filles, vous avez énormément d'attention. Il y a plein de gars qui veulent avoir du sexe, mais si jamais tu ne dis pas oui, ils ne peuvent pas avoir du sexe avec toi. Et non, mais on est d'accord ou pas? Ben, c'est pareil pour l'homme. Tu auras beau vouloir une relation long terme, te marier avec un homme, si jamais il te dit pas oui, ça se fera pas. Après, tu vas dire, mais moi aussi, il faut qu'il dise oui. Non, mais arrête de t'inventer vite. Je sais très bien que le gars avec qui tu veux te poser, s'il veut pas une relation long terme, tu vas rester dans votre friend zone qui est, en gros, tu auras que du sexe avec lui et rien d'autre. Et tu vas rester comme ça pendant des années. Donc maintenant qu'on a mis cette base, si Géraldine, tu n'as pas réussi à avoir l'homme que tu voulais avoir, c'est tout simplement parce que tu n'as pas les compétences pour le job. Ah, c'est misogyne ce que je viens de dire, c'est controversé. T'imagines, c'est controversé. Bah, c'est une réalité. Avant de dire oui, les hommes sont ceci, les hommes sont des déchets, les hommes veulent pas s'engager, les hommes blablabla, c'est toujours la faute des hommes. Est-ce que les hommes disent ou blâment les femmes parce que quand ils veulent avoir du sexe avec une femme, elle leur dit non? Est-ce qu'ils disent ouais, c'est de la faute de la femme? Non. Alors peut-être qu'il y en a qui le disent, mais ils sont pas très intelligents. Hein. Les autres, ils disent bon, ben, il faut que je travaille sur moi. En tout cas, les gars qui suivent la chaîne, ils savent ça. Mais ça n'aurait aucun sens de blâmer la meuf et de dire que ouais, c'est pas ce qu'elle veut, nanana, parce qu'elle m'a dit non. Alors, c'est juste qu'elle veut pas moi, en fait. Elle estime que Brian est un meilleur candidat. Ben là, c'est pareil pour les relations que pour les femmes. Quand tu postules pour un job, tu vas à l'entretien et eux, ils prennent le meilleur profil. Donc, ça veut dire que peut-être que tu as les compétences, mais qu'une autre a des meilleures compétences que toi. Et après, tu reçois un courrier, voilà. Merci d'être venu à l'entretien. Nous avons énormément apprécié vos compétences. Malheureusement, nous pensons que ça ne va pas matcher pour le profil que l'on recherche. Mais nous vous souhaitons énormément de chance. Et surtout, n'abandonnez pas. Donc voilà. Et quand les femmes vont adopter cette façon de voir les choses, qui était le cas à l'ancienne, eh ben, elles n'auront plus de problèmes sur le marché du célibat. Mais ce que je viens de dire, là, c'est controversé, là. Parce qu'on leur a tellement dit oui, tu es le prix, c'est l'homme qui doit tout faire pour toi, là. Voilà les conseils, voilà, sont dans la galère. Les femmes n'ont jamais été aussi seules de toute leur vie. D'ici 2030, je crois, c'est plus de 50% des femmes qui seront seules et non par choix, hein, comme ils aiment bien dire. Non, c'est pas par choix. C'est parce que le gars que tu voulais avoir, il t'a recalé. Donc oui, tu es le prix parce que les gars veulent avoir du sexe avec toi et c'est toi qui dis oui ou non. Mais après, ton job, c'est de retenir le gars. Lui montrer que tu as les compétences pour le job pour aller à l'étape d'au-dessus. C'est ce qu'on appelle une femme à marier, une femme traditionnelle. Et vu qu'elles ne le sont pas aujourd'hui, bah c'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à avoir de relations avec les hommes et c'est pour ça qu'elles sont seules. C'est aussi simple que ça. Mais ils veulent chercher des trucs, des stratégies, des trucs, les hommes, la psychologie, il y a des problèmes dans l'enfance. Ils veulent pas s'engager, ils ont peur. Je peux te dire que quand un gars tombe sur une perle, il la marie direct. Malgré, c'est loin d'être un avantage pour un homme de se marier de nos jours. Et puis célibataire à 40 ans, chérie, si jamais tu n'as pas eu de relation auparavant, c'est un red flag de malade. Et après, il y en a qui vont dire, ouais, non, c'est pas possible, de toute façon, on a forcément dû avoir une relation longue. Non, il y en a, j'ai connu une meuf qui avait 33 ans, qui était mignonne, beau physique. Et la meuf, elle avait eu pratiquement aucune relation. Sa dernière datait quand elle avait 22, 23. Tiens, comme par hasard, à son pic. Et son ex, il s'est déjà marié, il a déjà des enfants, et il est toujours là comme ça. Elle a eu que des relations un peu cheloues qui ne sont pas vraiment des relations, quoi. Et ça, j'ai rencontré ça dans l'un des pays d'Amérique latine. Comme ça, je vise personne, personne ne se sentira concerné. Et je peux te dire que c'est un vrai là parce que j'ai tenté. Parce que je ne veux pas te mentir que dans l'intimité, elle avait certains atouts que l'on ne peut pas nier, hein, bref. Et du coup, j'ai essayé de tenter. Pff, non, c'était non. Red flag, red flag. Ouh là là, waouh, ça brille ici, là.
think OnlyFans empowers you? Is it empowering for you, Miss Saudi Arabia? It's very empowering. Okay. Why is it empowering? I am very proud of myself. Haram! Okay. Women don't want consequences for poor decisions. If you sexualize yourself as a woman, 9 out of 10 times, every man you deal with is going to sexualize you as well in reciprocation. A man cannot objectify you unless you objectify yourself first. You can be sexually free, but don't sit there and expect people to respect you. They're not going to. Shorty's crying? Probably. And here's the thing, that's sexual empowerment for you. When you can't speak about what you do openly, and you feel a certain way, it goes back to the biology, man. Women know deep down that, this is not acceptable for me to be doing this shit. Like, they know it deep down. That's why there's a reason why when a guy asks a girl, what's your body count, whatever, they hesitate. They don't want to say it. There's a reason why when girls say, I do OnlyFans or whatever it may be, they're kind of hesitant to say it. Right? Some girls might say it out loud, but deep down, if you meet a man in your dreams, you ain't going to tell him that shit. Il lui a parlé comme son grand frère, comme son père, c'est-à-dire, il lui a dit la vérité. Parce que le problème, c'est que les filles, elles aiment trop écouter les gars qui sont des beaux parleurs, qui leur disent des choses juste pour avoir du sexe. Donc si t'es masculine, ils vont dire, moi j'aime trop les femmes masculines, c'est tellement sexy. Si tu fais pas manger, c'est clair, j'ai pas besoin d'une femme, je peux me faire à manger. Moi je suis pas insécure. Mais la réalité c'est qu'elle était super contente au début, elle dit, ouais, empower woman, ouais, moi je fais ce que je veux avec mon corps et tout. Dès qu'elle a réalisé, il y a vraiment des conséquences, ça a du sens ce qu'il dit en fait. Ça a commencé à chialer. Si tu te marketes sexuellement, si tu te sexualises, c'est normal que les gars ne te prennent pas au sérieux et que ça soit sur OnlyFans, que ça soit de la manière dont tu t'habilles, que ça soit dans ton comportement, si tu as connu énormément de gars, ton fameux body count. C'est normal qu'après les gars vont te prendre pour ce que toi tu es, pour ce que toi tu montres que tu es. Ils ne vont pas dire « elle, c'est vraiment la femme que je veux pour être la mère de mes enfants. » Ce n'est pas ce qu'ils vont dire. Ils vont dire « je lui mettrai bien un coup, elle. » Donc souvent, les femmes, elles se plaignent « Oui, les gars, ils nous proposent des objets sexuels, mais c'est toi qui... Vous êtes à moitié nu dans la rue. » Les prostituées, elles sont en galère. Elles ne savent pas comment faire la différence. Et les hommes savent faire la différence entre les femmes bien et les femmes pas bien. Parce que tu peux t'habiller classe, sexy, sans être à moitié nu ou sans en faire trop, tu vois. Là, je parle des vêtements, tu vois. Mais parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont dire « Ouais, les gars, ils sont insécures, je m'habille comme je veux, je fais ce que je veux. » Tu fais ce que tu veux, c'est sûr. Personne ne t'empêche de faire... Tu fais ce que tu veux, ça, on est d'accord. Mais par contre, si tu te marketes sexuellement constamment, mais les gens, ils vont te considérer pour ce que tu es réellement, c'est tout, point barre. Ils vont « Oui, non, mais la vie de l'habit fait pas le moine. » Ouais, mais c'est à ses habits qu'on reconnaît le moine. Donc, une femme peut être sexy et on sait faire la différence entre une femme qui est sexy juste parce qu'elle veut l'attention et une femme qui est classe, sexy, voilà. Et là, les gars vont se dire, ça, c'est une femme que je peux présenter à ma mère. Ça, c'est une femme, elle peut être la mère de mes enfants. Qui est-ce qui a envie d'avoir des enfants avec une femme où la meuf, elle marche à moitié nue dans la rue? C'est elle qui va s'occuper de tes enfants. Qu'est-ce qu'elle va leur apprendre, en fait? Ouais, fais ce que tu veux avec ton corps, machin. Mais je comprends pas comment même elles y pensent pas, quoi. Et elles disent, ouais, les hommes ceci, les hommes veulent pas s'engager. Je me dis, ce non-sens qui se passe dans leur cerveau, je comprends pas, des femmes modernes, je comprends pas en fait. Mais moi, je pense que ça, c'est à cause de tes copines. Que tes copines, elles t'ont dit, ouais, t'as raison, c'est ton corps, ton choix, tu fais ce que tu veux. Si jamais tu veux ouvrir un OnlyFans, ça va déchirer, tu vas gagner plein d'argent, fais-le. Elles se donnent toujours des vieux conseils. Attention aux décisions que tu prends dans ta vie parce qu'elles peuvent avoir un impact. Et des fois, il n'y a pas de retour. Mais j'imagine qu'elle dira que les gars sont ceci, les gars sont cela, ils sont insécures. Les vrais hommes aiment les femmes OnlyFans ou les femmes qui ont une carrière dans le porno et devraient vouloir une femme comme ça pour la mère de leurs enfants. Voilà, parce que sinon les gars, ils sont insécures et tout ça. Voilà. Elles essayent, mais ça passe pas. Même il y a des gars, ils essaient de vouloir croire à cette narrative, tu vois. C'est vrai, je suis un vrai homme, comme Adam qui donne sa femme à tout le monde, là. Je suis un vrai homme parce que moi, ça me déroge pas. Elle peut se faire pénétrer par un autre gars. Après, elle peut avoir mal pendant 3-4 jours. Elle dit que ça lui fait mal. Je peux plus mal. J'ai du mal à m'asseoir. Mais moi, je suis un homme parce que ça me fait rien, ça. Ça, c'est un bonhomme, ça. Il y en a qui se prennent la disquette. Oh my God, why is she calling me, bro? The devil's calling me, bro. Like, the devil wants me to answer right now, bro. What's going on? How are you? I think the answer to that question is never. Are you dodging me? Yes, I am. Why? Because I'm working on myself, I'm becoming a better version of myself, and now all of a sudden you want to come back and swoop in. No. We haven't been friends forever. Yeah, we're buddies. Now look, buddy, you are my friend, I got you, but that is all we will ever be. Wow, I can't believe I just got fucking rejected. This is crazy.
did. Alrighty, get off my phone now. Goodbye. Look, I have a kid. I used to be like that until I had my kid. Now that I have my kid, like, I might be this, oh, I'm a boss bitch, blah, blah, blah. But deep down in my heart, I would do absolutely anything to be at home and be like always with my child. There you go. But unfortunately, and I have can't. A man protect you. Stop acting like stop leaving out the man part. Right. Yeah? Because for you to be home with your child, that means you got a man holding exactly, him down, yeah. protecting and you. And that's what I'm saying. Like, he's right, and that shit's hard. Like, but unfortunately, since I'm by myself, I gotta hustle. You know. Yeah. But I would do anything to have a man. Like, that's what we're saying. That's exactly. Thank you. God bless you. God bless you for telling the fucking truth. Instagram over a real nigga. Because unfortunately, like, that's a platform where I can make a living off, and nobody's helping me because I don't have that protector yet. You get me? So you don't think a man could provide and protect you? Yeah, but I just haven't found that guy yet. And you know, that's what we're saying. Hold on. How come women can't just say, listen, I want a man, instead of acting like, yeah, I don't want a man and just want to be boss bitches? Right. Nobody said that. I just want to clarify because I feel like it's getting turned. Go ahead. Okay. Sorry. Go ahead. Put the camera on her. Who? You. Couch girl. Like y'all said, you're right. And I've been trying to talk, but Myron, don't let me. But I really respect Myron. Because you and can't been, finish your sentence. Because it's hard for me to explain, but I respect the fuck out of you. And I give you your right because you're right. That is true. Mm-hmm. What you're saying is true. And I respect you and I respect everything that you've done this whole part. Like, just I make really your point, respect. Please. The point is that, yeah, like, I haven't found the protector because me... No, I don't know the point already. Because you want to stay at home with your child. You want a man to take care of everything. This is why I cut you off. He can take care of you. All right, go ahead. Please say what you were going to say. So what I had said got twisted. I'm not saying that I don't want a man. Like, I would love a happy marriage. I would love that. But I think there's a big difference between want and need. And I think as a person, you shouldn't need anyone. You should want them in your life. I'm really glad you brought this up. We had a discussion about this the other day. The problem is that women want a man. No, you fucking need a man. You need to operate like you need one. And I'll tell you why. Only in modern day times. Well, from a biological standpoint. Happily single. Because you mean like as far as like children? Yeah, she said happily single too. Here's the thing. From a biological standpoint, women do need men. And I know they get mad when I say that, but a woman cannot take care of herself and her child on her own until recent times. But the problem is that. But you agree that right now that they can. They can, but here's the thing. Social constructs don't adhere to reality. A woman can get a degree and make more money, etc. But guess what? Let's say you make $100,000 a year. How much do you want your man to make? 101. Mm. At least on your level, correct? Yep. I think the man should be able to equally contribute, yes, ideally. Oh, fantastic. Shit. Thank you. Gotcha. That proves my point that even though you have your security taken care of, you will not deal with a man unless he can add an additional level. Shout out to the Godfather Kim Sayers. Let me. Ideally, like that would be ideal. Well, congratulations. That's you and every other woman. Women want a man at least on their level, if not better. Even if they're able to provide their own level of security, they will not entertain or deal with a man unless he can provide some level of security as well. Why is that? Because women are hardwired to look for a man that can provide security. So, what I'm simply saying is that you can go ahead and provide for yourself. That's true. But you can't beat your biology. That was you still my want a man who's superior, can. And you can't. Just because you can doesn't mean it's optimal. Just because it's capable does not mean it's optimal. I can send 20,000 women into war, and I can do that. It's capable. Is it optimal? No. I'd rather send 20,000 men to war. Why? Because men are biologically superior to women from a physicality standpoint. So just because you can doesn't mean it's the best. And my thing is this: women say, "I don't need a man." You actually do. Biologically rooted to need a man. The problem is that women want a man, and when you want, you're not going to go as hard. If I go to the gym. And I need to get in shape and I need to fucking look good, I'm gonna go ahead and do everything required. But if I simply want to do it, I'm gonna go to the gym half-assed and have a pizza here or there. I'm not gonna take it as seriously. And that's where a lot of modern day women are. They think, I make money. I don't need a man. I want one. Well, guess what's gonna happen? That guy wants some sex. He's gonna get it from you and then move on to the next bitch. So you need to move with a purpose. A lot of girls think, I just want one. Well, you're not gonna take it seriously when you just want one. You need one.
Sacré Byron. La meuf, elle est en train de chialer, déjà en train de dire oui, c'est, je me rends compte quand même que voilà, avant je disais que j'étais une féministe, j'ai pas besoin des hommes. Et maintenant que j'ai un enfant et que c'est la galère, hein. Soyez honnête, hein, c'est quand elle a eu un enfant qu'elle s'est dit, oh, là c'est chaud, hein, en fait, finalement, je veux un homme. Byron, il s'en bat les reins. Byron, il n'a pas de cœur, il s'en bat les reins. Elle dit, tu n'arrives pas à finir ta phrase, c'est pour ça que je te coupe. Elle dit, non, mais Byron, ce que je veux dire, c'est que je t'aime. Allez, allez, coupez. Bon, suivante. Non, mais bien sûr que les femmes ont besoin des hommes. Enfin, suffit qu'il y ait une guerre, tu vas vite t'en apercevoir. Hein. Je veux dire, s'il n'y a pas d'hommes, tu fais comment pour construire les prochains immeubles? Maintenir l'électricité. Faut vraiment avoir un esprit, vraiment, le monde tourne autour de moi, il y a Internet, quoi. Et croire que c'est comme ça. Internet, ça suffit, voilà, on travaille comme ça. Ah non, il y a encore des infrastructures qui sont importantes, chérie. Et j'ai envie de te dire, sans même aller aussi loin, construire... construire des immeubles et des locaux, etc. Juste déjà, quand t'es là avec ton poney Nutella. Tiens. Juste déjà ça, déjà. Mais par contre, le raisonnement qu'il a fait là, Maron, je trouve très pertinent, tu vois. Parce que finalement, la manière dont tu penses, c'est la manière dont tu vas agir. Donc si tu agis de manière, ouais, je veux... mais j'ai pas besoin, forcément tu vas agir de manière différente. Ça me rappelle les gens qui veulent devenir riches. Tout le monde veut devenir riche. D'accord ? Il n'y a personne qui veut pas devenir riche. Tout le monde dit ouais, l'argent, j'ai pas besoin, non, pas besoin d'argent, moi. Là. Tout le monde veut devenir riche. D'accord ? C'est pour ça qu'ils sont tous en train de jouer au loto. Par contre, ceux qui deviennent riches, c'est pas ceux qui veulent être riches. C'est ceux qui ont besoin d'être riches. En gros, qui se donnent un objectif et qui prennent une décision et qui disent je dois être riche. Qui s'obligent à être riche. Genre en mode, j'ai besoin d'être riche. Ça peut être pour prendre soin de ma famille, ça peut être pour diverses raisons, tu vois. Mais les gens qui deviennent riches, ce n'est pas ceux qui veulent être riches. C'est ceux qui décident réellement d'être riches et qui disent, j'ai besoin d'être riche, il n'y a pas moyen que je ne sois pas riche dans ma vie. Et du coup, c'est la même chose pour les femmes. Si tu dis, je veux un homme, mais je n'en ai pas besoin, bah, tu vas être là détendu. Toute ta vingtaine, tu vas aller à Dubaï, soirée VIP. Et puis quand tu vas vraiment être en galère après 30 ans, que tu vas, l'horloge biologique va faire toto. Oui madame. Mais ça fait un moment qu'on essaie de frapper, mais vous entendez pas. Hein, vous êtes là en train de danser, twerker. Ça fait depuis un bon moment qu'on toque à la porte, madame. Là, vous avez 40 ans, madame. Ça, on toque depuis 10 ans. The point of wanting versus needing a man is excellent. These women need men whether they like it or not. Just take a look at society's infrastructure. But, you know, these chicks think those kinds of conveniences came out of thin air. Let's take a look at the comments. I do OF because I have to make money and nobody's helping me. Zero accountability and major entitlement. She chose to have a child out of wedlock and thinks someone should be helping her. Men don't think or expect that anyone should be helping them. If we did, people would think we were bums. The fact that OF, in her mind, is the only way she can make money proves she offers nothing and should be objectified. You are what you are. Own it. You know that modern women and the word accountability don't go well together. Just remember, she's crying because she might have to settle for you. Just like Jeff Bezos' ex-wife, she will probably have to settle for an average Joe making quote-unquote little money. Sorry, not sorry. The high-value men will still enjoy their particular abundance of women where single moms are not allowed. It's important for every man to watch several of these podcasts. It will help you avoid the women that will destroy your life. They don't cry for what they did, but for the consequences of what they've done. Yeah, the bedroom fun was a huge dopamine booster, but having a child out of wedlock is a pain in the neck and somewhere else. Some women and even simps are so insane that they do anything to protect their ideologies. Do you know these bigots who support whatever their political party does just because it's their party and not the opposition? You know what I'm talking about. That's why most modern women would pick feminism over lower gas prices even though they're losing tons of money. However, this woman thinks differently. Protect feminism or low gas prices? I guess low gas prices, because ever since the feminist movement, it's been a lot harder for me to find a guy to pay my bills. And all of a sudden I have to work and I have to do all these things. And I honestly don't want to work. I would rather stay in the kitchen.
Mind you, I need some cooking classes, but I think I could take a couple cooking classes and make somebody really happy. Okay, that was actually, like, so sweet at the end. That seemed very genuine. I thought the first part of, like, oh, I just want a guy to pay my bills, like, that's a, yeah. But also, I mean, valid point. There was a time when women did not have to work. I mean, they could if they wanted to, but these days, like somebody commented and said, yeah, let's go back to a world where the normal couple can live off of one income. Blame the government and their taxes. That is the reason why we cannot. Somebody else said, I'm actually sad the comments are saying this is the woman they want. Wow. Men want a woman who will cook for them and, you know, turn their house into a home. That is shocking. Bon, la première phrase, oui, j'ai besoin d'un gars qui paye mes factures. Bon, allez, un petit peu dans l'exagération. On voit qu'elle est dos au mur, hein, quand même, là. Par contre, Géraldine, t'as toujours pas commencé à prendre des leçons pour savoir cuisiner? On sent que tu fais ça parce que là, tu sens que c'est chaud, tu essaies de t'organiser, tu lances un appel SOS. Mais ça, ce genre de femmes, quand elles vont être dans le confort de la relation, elle va revenir comme elle était à la base. Ou peut-être pas, mais en tout cas, si je date déjà de base, c'est pas une femme qui a envie de prendre soin de son gars, ou qui prend plaisir plutôt, qui prend plaisir à prendre soin de son gars, genre peut-être ça peut être en lui faisant un petit plat. Hein. Dès qu'elle va être dans le confort de la relation, elle va vite oublier quand elle était dans la galère dans le marché du dating. Donc bien sûr qu'un homme aime avoir une femme qui s'occupe de la famille, qui s'occupe de la maison, qui lui fait à manger, qui élève ses enfants. Et de toute façon, les femmes sont des êtres sociales. Les femmes sont des êtres qui aiment prendre soin des gens, qui aiment prendre soin des gens qu'elles aiment. T'as qu'à les voir avec leur chat ou leur chien. Faut absolument que le chien dorme dans leur lit. On comprend pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. Et clairement, plus on s'éloigne de ça, plus elles sont malheureuses. Et là, ce que je viens de te dire, c'est controversé. Non, les femmes doivent être comme des hommes. Ça, c'est bon. Là, je serais poussé, là, je serais glorifié, là. Hein. Mais si je dis que les femmes, ça veut dire quoi? Nous, on est réduits à s'occuper de nos gars, à faire la cuisine, c'est ça? Hein? Tu crois que c'est les cavernes, l'homme des cavernes? C'est fini, là, en 2024. Au sujet de la femme au foyer, bon, on va pas se mentir que ça va être compliqué. Hein. D'un point de vue financier, ça va être compliqué de pouvoir vivre avec un seul salaire. Et j'ai souvent entendu cet argument des femmes qui disent « Ouais, mais maintenant j'ai un travail, donc du coup je peux plus m'occuper de mon gars ou de la maison. C'est mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui élève mes enfants et quelqu'un d'autre qui fasse à manger pour mon gars. Moi aussi je travaille, c'est difficile, etc. » Sachez que dans les autres pays, les femmes aussi ont un travail et elles s'occupent aussi de leur gars parce que ça les rend heureuses. Après, par contre, j'ai eu certains retours de gars qui avaient des femmes au foyer et qui disent « Ah, c'est pas la solution. » Si ta femme, elle est au foyer, qu'elle a pas de passion, elle a rien, elle a aucun objectif, ah, elle va te prendre la tête. « Ouais, t'es pas assez présent, t'es pas assez ceci, t'es toujours au travail, là. » C'est bien aussi qu'elle ait un peu une occupation, qu'elle fasse quelque chose. C'est juste que je pense qu'il faut pas que ce soit un travail qui est trop prenant. Évidemment, quand même, on reste quand même cohérent. Mais aussi, je connais des couples où la femme, elle est au foyer et ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne très très bien. La femme prend soin des enfants, elle s'occupe de la maison, école à domicile. Comme ça, c'est pas des LGBT qui vont éduquer tes enfants ou des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Quand ils ont des projets, ils en parlent ensemble, sur quelle direction ils vont. Comme ça, chacun fait le taf. Lui, il va chercher l'argent, elle s'occupe de la maison, des enfants. Et ça marche très très bien. Et j'en connais plusieurs. Et honnêtement, après réflexion, ce que je constate, c'est que plus on s'éloigne de cette base qui a toujours fonctionné, plus les relations sont catastrophiques. Elles sont catastrophiques pour les femmes et pour les hommes. Et tu sais qui pousse les femmes à s'éloigner un maximum de ce modèle? Le féminisme. Donc oui, concrètement, je ne vois pas qu'est-ce que le féminisme aujourd'hui va apporter. Avant, c'était important pour qu'elles aient les mêmes opportunités, les mêmes droits. Mais sérieux, ça fait longtemps qu'elles ont les mêmes droits, donc je sais pas. Elles doivent être là dans leur bureau. Géraldine, tu penses que c'est bon? On a coaché toutes les cases, on a rempli tous les objectifs. Ah, il faut des nouveaux? Mais qu'est-ce qu'on... Ah ouais, bah non, parce qu'on peut pas arrêter. Bon, bah, faut continuer alors. Les pronoms, qu'est-ce qu'on peut faire? Les pronoms? Ouais, on change les pronoms. Ouais, c'est vrai que c'est pas bien les pronoms. Ça devient ridicule, quoi. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu veux aller plus loin, je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 € en une semaine. C'est en gros une formation pour créer ton business en ligne. C'est complètement gratuit. J'utilise mon étude de cas pour pouvoir te le montrer. Je te parle aussi de l'intelligence artificielle, pourquoi c'est important de l'implémenter dans ton business, comment le faire aussi et comment ça te permet de gagner beaucoup plus d'argent. Ok, j'ai déjà aidé des personnes à gagner de l'argent. Arrête de créer un arnaque à tout va. Regarde quand même. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais ton camp.